Gospodovi, gospodine Dubroviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Ce soir, c'est spécial bien-être. Qui l'eût cru, se faire du bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est la découverte de deux chercheurs en sciences sociales. Ce soir, le Suédois Carl Siderström et le Néo-Zélandais André Spicer nous livrent leur diagnostic dans ce trax spécial qui démolit l'envie de se faire un corps de rêve. Et oui, à force de se regarder les biceps, on laisse en plan la société. Aux côtés de nos deux chercheurs, des invités qui ont leur recette bien particulière pour se faire du bien. La liftière Sarah Lips propose de grimper au 7e ciel avec deux coups de cuillère à peau. Oui, il y a un léger décalage. Alors, on va d'abord se présenter. Surnommé le Jésus digital, Chris Dancy est plus connecté que la Corée du Sud. Enfin, ils ont tourné le dos au bien-être, le groupe Martin Sade, jamais les derniers pour broyer du noir, ressuscite. Voilà. Et ben voilà, donc j'ai pas besoin de me présenter. Et donc, quand on vous dit six on va essayer packs, de vous voyez des commenter cette émission au lieu d'un pack de bière, alors vous souffrez probablement du syndrome du bien-être. C'est grave, docteur. C'est vendredi. Rien ne sert de courir, il vaut mieux dormir à point. De ce c'est le credo de nos deux invités, Carl et André. Voilà, voilà. Donc... mon avis qui s'exprime à nos côtés. Donc là, normalement, vous auriez pu entendre le sommaire, sauf qu'on n'arrête pas de parler dessus. Il faut que je me rapproche, on me dit, ah oui, il faut vraiment parler très très près du micro. Et puis il y a un petit écho vie, parce que je suis en train d'entendre ce que je disais il y a deux secondes, mais c'est pas grave. Les joies du direct, comme dirait Michel Drucker. C'est une première. Et oui, tu vas t'entendre aussi, parce que le son sort là. Le son global est sans. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de son. Non, bah. Bon, on va faire sans. Alors là, ça, c'est un de mes moments favoris où les gens se retrouvent au Grand Palais. Plus habitués à recevoir l'étoile de grand maître que déplonger la sueur des amateurs de sport. Ah, il y a des. Oui, pardon, il faut qu'on précise que nous répondrons à des questions à la fin. Si jamais il y a des questions, bien évidemment. Alors le principe de, enfin l'idée de cette émission est née il y a un an. Il faut savoir qu'à Trax on n'est pas pressé et on était tombé sur le livre des deux chercheurs qui sont nos invités de cette spéciale et on a mis un peu de temps à les contacter d'une part et puis après organiser le tournage. Est-ce que France, tu peux nous expliquer s'il te plaît comment ça s'est passé? Ça a été très compliqué, je crois d'ailleurs. Vu dans le sommaire, donc André Spicer et Carl Siderström n'habitent pas. Vous nous en. Ah David a enlevé le fil du micro, c'est normal. T'as voulu me censurer. Mais non, mais. C'est bon, c'est... Ah bah non, j'ai pas enlevé le fil. Non, non, il y a un faux contact. D'accord. Bien. Ce qui était un peu plus compliqué à organiser, c'était de les avoir tous les deux en même temps à Paris. Voilà, donc ça a mis un petit peu de temps, mais ils sont venus. Gentiment, c'était plutôt juste pour nous, donc on était. Je crois qu'ils étaient même très surpris qu'on s'intéresse à eux. C'est vrai. Donc voilà, alors c'est pas la première fois qu'Atrax, bon là c'est malheureux parce qu'on est en train de parler sur ce que dit ce garçon, mais c'est pas la première fois qu'on s'intéresse à des sociologues ou des gens qui travaillent dans les sciences humaines. Et là, est-ce que France, tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de mettre Chantons sous la pluie à ce moment-là? En fait. On a repris le principe qu'on fait dans les émissions spéciales, c'est-à-dire d'intercaler des moments, soit surtout des films,
ou des animaux, mais ça, David, je te laisserai en parler, et Jean-Marc aussi, d'ailleurs. Mais d'essayer de pouvoir mettre des moments d'interview assez en longueur et de jouer sur des petites associations d'idées, des petits décalages. Donc là, je crois que c'est un moment où il parlait du fait qu'on rentre un peu, on est un peu dans un moment de la dictature du bonheur, où il faut être bien dans ses baskets, il faut être heureux. Et donc, du coup, on a mis ce moment de chantons sous la pluie, où c'est un peu hystérique. Alors, en fait, on dirait pas comme ça, mais tout a été pensé, le cadre aussi, hein, de, non, mais c'est vrai, de cette interview qui fait kitsch, hein, mais c'était volontaire. Normalement, les plantes vertes sont interdites dans Trax. Hein. On peut pas mettre de plantes vertes derrière les plans d'interview comme ça. Et là, on s'est décidé qu'on allait faire une petite entorse parce que, justement, le bien-être, ça passe aussi par les plantes vertes qui ont beaucoup à nous apprendre. Voilà, donc on avait choisi. Alors, l'endroit, hein, le lieu d'interview, c'est aussi un endroit qu'on a choisi. Hein, c'est un endroit qu'on a choisi qui est même, je crois, c'est la première. Ça s'appelle un bain, comment ça s'appelle, un bain d'isolation sensorielle, un caisson d'isolation sensorielle. Et moi, c'est un truc qui me faisait beaucoup rêver dans les années 80, mais c'était hors de prix. Et puis à l'époque, j'étais jeune journaliste et j'avais pas les moyens. C'est un truc qui a été inventé au moment des hippies, qui consiste à se baigner dans un bain d'eau à la même température que le corps humain et à la même densité. C'est-à-dire que c'est, je crois, 10 fois plus salé que la mer morte, donc c'est complètement dingue. Faut surtout pas mettre la tête dans l'eau. Et ça permet d'avoir l'impression d'être totalement isolé, tous les sens sont isolés, et donc on se met à divaguer comme si on rêvait. En fait, ça correspond à peu près au moment où on s'endort. Et on part dans un petit délire de à l'intérieur de soi-même. Enfin, il y en a même qui revivent leur naissance. Enfin, il y a un tas de trucs assez rigolos qui se passent. Et on s'est dit que ça serait marrant de le faire là-bas parce que c'était un des premiers trucs du bien-être dans les années 60. Alors là, on est au moment de l'anecdote, moi, qui m'a convaincu qu'il fallait faire ce sujet, puisque ce sont deux coachs, hein, américains qui donc donnaient des leçons à la radio new-yorkaise, je crois, pour aller mieux, et on les a retrouvés pas en très bon état. Il faut que j'arrête de toucher ce micro, je crois que ça marche très bien. Deux spécialistes du coaching du bien-être, qui avaient une émission de radio qui marchait bien d'ailleurs à New York, et ils se sont retrouvés tous les deux, ils se sont suicidés le même jour en se mettant des sacs d'hélium sur la tête. Donc le bien-être, ouais, c'est dangereux. Et là, on a vu un petit chat. Alors pourquoi des animaux? Oui, j'aimerais bien savoir. Pourquoi des animaux? Ah non, c'est... non, tu assumes, c'est ton idée. Non, c'est d'abord parce qu'on aime les animaux à Trax et on regrette de ne pas... Mais dès qu'on peut placer les animaux à Trax, on place des animaux. C'est à Trax. Vrai. Je me demandais pourquoi parfois il y a des lapins ou des petites belettes dans des sujets qui n'ont absolument rien à voir. C'est juste parce que ça nous fait... Un animal est très expressif et donne beaucoup plus de... Enfin, on a plus d'empathie parfois pour les animaux. Donc, et puis, ça marchait bien pour exprimer les sentiments de bonheur ou de tristesse. Là, bon, on est sur des images pas du tout intéressantes. Enfin, bon, ouais. Ça, c'est pas son. C'est voilà. Mais quand même, c'est à Bhopal, je crois, un club de sport fitness pour. Bah là, on passe à encore autre chose, mais effectivement, pour pouvoir faire du fitness en bocal, j'ai trouvé ça très passionnant, enfin intéressant. Et puis, ça illustre bien qu'aujourd'hui, c'est pas un problème purement occidental, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette maladie du bien-être. Alors nous, on a quasiment plus le son, donc on ne sait absolument pas ce qu'il dit, mais, on va vous laisser mais ça doit être très intéressant. Oui, alors on ne fume pas de pétard pendant le travail. Sacha Mills. Ah, vous n'entendez pas non plus le son derrière de l'émission, semble-t-il. Donc on est obligé de parler, du coup, pour combler. Attends. Il y a Vic qui va. La technique est aux commandes. Voilà, ça devrait aller. Ça va mieux là. Look, could you take care of her for about 2 hours because I'm gonna lie down here and read. Bon ben voilà. Running is the perfect escape because everyone would see it as a good thing. But if you just run down to the pub, très joli. Remarquez que la lumière a changé sur le fond derrière la plante verte, elle était rose, maintenant elle est verte. Ah, voilà, si on se réveille. Alors cette femme est fondée. On a eu beaucoup de mal à
Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est notre journaliste Mario, qui est une ancienne assistante de Trax, qui vit désormais à Berlin, et qui a réussi à convaincre cette jeune femme de témoigner. Pour satisfaire il pratique effectivement une activité très étonnante, qu'on n'a pas encore essayé. Hein, non, mais pas que ça détend. Ouais. La sportive, en tout cas, ça lui permet d'aller dans des hôtels, de yoga, et d'avoir la patate. Que d'elle-même. Mais il y en a qui paient très cher pour être détendus de cette façon-là. Rencontre en toute décontraction chez elle, à Londres. Quand j'ai commencé la fac, mon amie venait de s'inscrire à la salle de sport, et j'ai décidé d'y aller avec elle. C'était la première fois que j'entrais dans un club de gym. Ça m'a plu et je suis devenue accro. Je me suis rendu compte que c'était là que je me sentais à l'aise. On va y arriver. Combien on se tape? On avait les chiffres, je crois. Oui. On se tape pas, en fait. Hein. Oui. Alors, on a une question de Big Beige, c'est ça? Pour combien? Vous tapez avec elle. Non. En fait, bon, c'est d'abord, oui, ce sont les hommes qui payent. Hein. C'est un jeu sexiste, on va dire. Et les prix varient, je crois, c'est de 80 à 500 euros. Un truc le comme fétichisme ça. De ceux qui se font porter comme de gros bébés. Et c'est pas de la bagarre, hein. C'est seulement du lift and carry, c'est-à-dire qu'on porte. L'intérêt, c'est de se faire porter. Un peu comme quand un ascenseur. Notre maman nous portait dans son petit ventre. Un truc un peu fait. Ouais, oui, un retour à un truc d'enfance. Enfin, comme souvent dans les fétichismes. Sarah pratique aussi la lutte et le scissoring. C'est quand maman. L'art de coincer sa victime entre ses gambettes. Je n'ai pas connu maman comme ça. Tu remarques, a grandi en Grèce et en Belgique. C'était un peu différent, semble-t-il. Mais voilà. Bon. J'avais jamais entendu parler du lift and carry avant. Alors, j'ai pensé que c'était des conneries. Ce qui est intéressant, c'est que donc Sarah, je crois que c'est son nom, c'est une ancienne journaliste, donc ça nous donne tous l'espoir d'une reconversion, on va dire. Hein. Surtout bon, on a des physiques assez baraqués. Moi, je me suis rendu compte que c'était bien plus important que ce que je pensais et que ça existait vraiment. Alors bon, c'est bien évidemment aussi une activité internationale. Hein. Étonnamment, il y a des Japonais qui la pratiquent. Là, ce sont des images hein, qu'on a glanées sur le net de différentes maîtresses, femmes qui pratiquent majoritairement cette masculin, activité. Ce fétichisme peut coûter un bras. Une session d'une heure varie de 200 à 500 euros, allant parfois jusqu'à 1000 euros. Tout à fait, ce sont des féministes à leur façon. Sans compter les frais de déplacement. Bien vu, Beige. Il suffit de quelques clics pour trouver maîtresse bien, à son comme d'habitude, hein, dans les sujets Trax, vous l'avez remarqué, on adore porter. Les historiques. Donc on va avoir, je crois, bientôt droit à un moment où on raconte d'où ça vient. D'où ça vient. Et on va voir que ça remonte très loin, cette idée d'avoir envie d'être porté par une femme, par un homme. Le lift and carry est devenu l'un des fétichismes les plus populaires sur la toile, avec plus d'un million de vidéos répertoriées. Parmi ses parrains, l'icône de la contre-culture américaine, Robert Crumb. Qu'on n'a toujours pas fait d'entraide. Cet amoureux des femmes fortes n'est pas est accro au piggyback riding. On voudrait le faire chez lui, dans sa maison, dans le sud de la France. Mais il est un peu réticent. Il partage il est avec l'énorme dessinateur et caricaturiste français Albert Dubout. Et là, on parle de ça, il y a bien Dubout, l'un des plus grands caricaturistes des années 50, qui adorait faire la grosse dame et le petit monsieur. C'était son couple préféré. On passe à James Bond, bien évidemment. Du dessin au cinéma, les fétichistes du lift and carry trouvent leur bonheur partout, même dans un James Bond grand public. Et là, hop. Oui, parce qu'en fait, les internautes fétichistes du lift and carry collectionnent toutes les scènes de films ou les scènes de télévision où des hommes sont portés par des femmes. Donc, il y a cette théorie qui dit qu'ils veulent retrouver leur innocence. Comme les Trainspotters, chercher dans les films ces scènes-là. Il y a aussi la théorie qui veut que quand ils étaient enfants, dans la cour de récré, les filles se moquaient de leur petite taille et les plaquaient contre le mur. Bonjour Cortès. Qu'ils soient toujours petits ou qu'ils aient grandi et pris du poids. On a des messages. Ils aiment toujours cette sensation. Coup, on salue ceux qui ont la patience et la gentillesse de regarder. Alors ça, c'est une compétition quand même très, très étonnante. Je pense pas qu'elle pourrait se tenir en France actuellement. Non. On a eu du mal avec le lancer de nain. Et ça, c'est le porté de femme. Il faut porter sa femme le plus loin possible. Ça viendrait d'une vieille tradition. Une tradition qui vient... En fait, ça serait des voleurs, des bandes de voleurs qui pillaient les villages et puis enlevaient les femmes. C'est aux femmes de prendre les choses.
ils ont mis au point des courses pour voir qui pourrait porter le plus loin les femmes pour être les meilleurs voleurs. Une carrière musclée, en Norvège, sa mère infirmière et son père ingénieur. Et maintenant, il y a des compétitions comme ça partout dans le monde, même à Hong Kong. Sarah, soulever des gars, et en Australie. C'est vraiment si différent que ça. Et en Finlande. Différent du journalisme ? Ben oui. Oui, c'est différent. Dans le sens où c'est plus concret. Bon, ça, c'est ce qu'on fait souvent avec France. Voilà. On va rien vous cacher. Voilà, c'est le point commun, le moment c'est de dire la vérité. Gens, tu leur poses des questions et tu finis par les connaître. Le on vira pas dans quel sens. Tout de suite, c'est on revient, comme d'habitude dans les spéciales, à l'interview avec nos deux invités. Donc là, voilà, c'est ce fameux salon à Paris. Premier, je crois que c'est le premier. André Spicer et Karl Siderstrom dans un caisson d'isolation sensorielle. Mm-hmm. Alors tu vas voir, il y en a un qui rentre la tête sous l'eau et il est très très malheureux. Afin ça m'a fait rire. Toutes les parce qu'il y a beaucoup de sel. Voilà. C'est un peu comme se faire jeter de vinaigre dans les yeux. L'inventeur du caisson, c'est lui, John Lilly. Alors ça, c'est l'inventeur. Ce neuroscientifique américain, spécialiste caisson qui était un ami des dauphins, avec les dauphins et qui se demandait comment communiquer avec les dauphins et qui avait créé ces caissons pour pouvoir recréer la vie du dauphin, enfin tout un tas de trucs. Toute partie de cette génération, voilà, des années 1954, la côte ouest, je crois qu'il y a eu des questions sur la drogue un peu avant et c'était un peu, ça faisait un peu partie, voilà, ça vient un peu de là tout ça. L'idée, c'était de retrouver, là on voit bien se retrouver un peu comme dans le ventre de sa mère, portée par... D'ailleurs, la vogue du bien-être, pour une grande partie, celle des années 70, vient de la façon dont les hippies se sont cyclés, parce qu'ils avaient pris beaucoup de drogue. On se souvient du Iggy Pop qui était complètement défoncé, et qui à un moment s'est mis à faire du bodybuilding et des tas de trucs, et boire que du lait. Enfin bon, et c'est très lié aussi à des phases dans la culture américaine aussi. C'est un peu le contre-coup des excès, hein. C'est la gueule de bois. Ouais, c'est ouais. Ça. Heureusement, nous, comme on ne boit pas et qu'on ne fume pas, ça ne nous arrive pas. Non, non, ça ne se fait pas en couple, hein, nécessairement, le caisson. Là, on peut être deux dedans. Hein, mais on a un peu assisté pour les mettre tous les deux dedans. Normalement, c'est plutôt seul, c'est juste pour l'alimentation. On répond aux questions de Big Beige. C'est toujours la même. Chacun y rajoute sa sauce à l'image de Simone de la Rue, coach de Matt Damon et Taylor Swift. Aux États-Unis, il y avait quoi remplir sa bibliothèque avec cette littérature sans sucre ajouté. Ça, c'est tous les best-sellers, surtout aux États-Unis, la méditation, le courant. Et là, on retrouve nos copains qui, donc, à un moment, ont essayé tout ça pour voir si ça marchait. Pendant un an. Ça sera l'objet de leur prochain livre. C'est une année à tester les méthodes de bien-être. Muscu, jogging, injection, relaxation, analyse de chakra. Un régime qui ne les a pas... David l'a fait, effectivement, il a essayé. J'ai essayé quoi ? Le bain ? Mais si, tu l'as essayé, raconte pas n'importe quoi. Bien, j'ai essayé, ouais, j'ai la tête. Oui, c'était fantastique. C'est pas assez salé à moi, mais sinon c'était bien. Executives in Sweden asking if they became better executives if they were working out. 95% said yes. No one could really say why he would become a better executive or why. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour notre bien-être? On peut pas vous montrer. Chacun, c'est. On a chacun notre truc. Il n'y a pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est du citron vert. Ah oui, avec d'autres trucs. We don't live up to these expectations. Ah, ça, alors ça. Je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Alors ça, c'est un moment qu'on aime beaucoup parce que c'est assez étonnant de découvrir, grâce à ce livre notamment, d'où viennent les politiques sanitaires et publiques, hein, on va dire, et que nos amis sont malheureusement à l'origine, on va dire, de... des premières campagnes d'anti-tabac. En fait, là, on voit sur ces images, on est sur les cubes aux États-Unis, etc. Elle est sympa celle-là. C'est l'époque où la club. La cigarette, c'était vraiment fumé, c'était cool. Surtout sur une plage. Surtout sur une plage. Bah, il y a quoi bon profiter avant, du bon air. En fait, avant sur la plage, c'était paria. Cool. Et ce qu'on a appris dans ce livre et qu'on a essayé de mettre en image là, c'est que le premier à avoir lancé la plus grosse campagne aujourd'hui, anti-tabac, c'est être l'esclave d'une drogue dangereuse. Voilà. Alors, Shellman, je ne prends pas de produits dans les lieux publics. J'ai simplement des allergies, c'est aussi bête que ça. Et je me gratte.
pour Hitler, en caricature que tu peux imaginer de la télévision. Je ne m'appelle pas Thierry Ardisson, donc voilà. Et je vais me retoucher le nez parce que j'aime bien ça. Et voilà. Et c'est vraiment la voix d'affiche Tabag à le capital. C'est vraiment le fumeur dans l'Allemagne nazie, c'est le capitaliste. Ça, c'est marrant. Et donc, ils sont en train de développer cette idée-là. On va vous laisser écouter. So this is the way they were thinking about smokers and the way they were thinking about unhealthy people. They had to be removed from this social organism. Otherwise, the virus would spread and the entire body would become infected. Mais quelle bon, mouche aussi, a donc piqué l'humanité pour qu'elle aille autant se faire suer sur des machines infernales. Enfin, des raccourcis avant, pour faire du tapis roulant, il fallait passer par la case prison. Au 19e siècle, l'activité est imposée aux détenus pour lutter contre l'oisiveté à raison de plus de 6 heures par jour. Maintenir les prisonniers en bonne santé et leur éviter de trop penser probablement. En fait, ce live, c'est un peu comme les filles qui touchent en webcam. C'est le premier tapis de course grand public. On reste habillé jusqu'au bout. C'est ça. Voilà. Je le dis, pas la peine de... Kenneth Cooper. On connaît la suite. À moins que France garde à vous, ça fait les genoux. Alors ça, c'est moi, je les adore. Ça, quand je fais un duo avec Jean-Marc, là, voilà, c'était nous, un peu plus jeunes. C'est ça, c'est comme ça qu'on est rentré à Trax. Ça, c'est notre épreuve d'entrée à Trax. À l'époque, ils cherchaient des nouveaux. C'est un peu pris depuis. Pas du tout. Ça se voit pas dans l'image, là. Donc, tout va bien. Alors dans les prisons, non, ça ne produisait pas d'énergie dans mon souvenir. Alors, je crois c'est pas con. Ils essayaient, je crois qu'ils essayaient de produire de l'énergie, mais l'idée, mais c'était pas l'intention première, c'était effectivement de leur enlever leur oisiveté. Bah oui. Et c'était quand même entre 6 et 10 heures par jour, si je dis pas de bêtises, qui est quand même. L'oisiveté étant la mère de tous les vices. De tous les vices, bien sûr, Jean-Marc. Merci Vie, nous sommes très attentifs aux questions des internautes. Elles sont très nombreuses, on ne peut pas répondre à toutes. Sylvester Stallone pratiquant une étrange activité, le jogging. Courir pour aller nulle part devient l'alpha et l'oméga du bien-être. Même si depuis on a inventé de quoi se faire des biscottos sans mouiller le maillot, il se vend aujourd'hui une trentaine de paires de chaussures de running chaque seconde. Raconte-nous ce miroir, David. Oh ben, dès qu'on tape un peu sur le net, sur les objets connectés du bien-être, on tombe sur des... Alors ce miroir, je crois qu'il n'est pas encore totalement en vente, mais par contre, le prototype existe. Et effectivement, il vous donne des informations sur votre silhouette, votre poids, et après, il va vous rappeler alors, je crois, quand vous avez des petits soucis. Il tombe bien. C'est la petite démo qui circule sur le net. Il y a Sacha qui est malheureux parce qu'on n'a pas répondu, mais on a tellement de messages qu'on sait tout. Quelle question, Sacha? Alors attends, on va regarder. Et vous faites quoi pour votre bien-être? Alors, t'as pas répondu. C'est une bonne question. Chacun, bah, déjà, on essaie de rigoler. Première des, de ne pas trop se prendre au sérieux. Après, selon l'horaire, bah, faire du bien. Parfois, une petite belote. Un jeu de cette famille. Voilà. On n'hésite pas quand même à passer les bornes. Un petit coup de vapeur. En 71, dans le film Orange Mécanique, une équipe de scientifiques là, a une méthode choc pour purger le délinquant violent et asocial Alex de ses perversions. Fais attention. Tu peux nous expliquer pourquoi il y a pourquoi on a mis Orange Mécanique? En fait, c'est parce que on avait les droits du film. Déjà, c'était gratuit, donc on était contents. Non, c'est parce que c'est ce dispositif de choc, enfin d'association d'images violentes pour corriger la personne atteinte de vice. Elle existe maintenant dans la réalité. C'est pas aussi spectaculaire que dans Orange Mécanique, mais voilà, avec ce Pavlok, ce petit instrument qui est en fait un basket qui vous file une décharge électrique à chaque fois que vous cédez à la tentation de vous débarrasser de mauvaises habitudes, une clope, de manger un burger, de boire un verre. Donc voilà, c'est une espèce de début de pas de servitude volontaire, mais enfin on commence
Bah moi j'ai un chien qui aboie par exemple et j'ai un petit collier comme ça pour lui qui jette des petites impulsions d'électricité statique pour l'empêcher d'aboyer. Parce que oui, parce que c'est sexe maintenant, il y a des chiens qui aboient beaucoup et c'est difficile de travailler avec un chien qui aboie derrière soi. Mais c'est pas. C'est comme de l'électricité statique, c'est très. Non, en fait, ce qu'ils sont en train d'expliquer là et qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de devenir nous-mêmes les cobayes volontaires de cette chose-là, qui non seulement est censée vous faire rentrer dans le droit de chemin, mais en plus qui collecte des données sur vous et des données qu'on partage même nous avec tous nos instruments de mesure qu'il y a dans nos iPhones, nos applis, etc., qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même une période assez particulière. La morale générale de cette histoire, c'est qu'effectivement, avant, c'était l'État qui vous essayait de vous faire participer, de faire rentrer dans le droit chemin. Et là où ce truc est très malin, c'est que maintenant, c'est nous-mêmes qui nous faisons rentrer dans le droit chemin. Et Sacha, donc tu vois comment David se fait du bien. Tout à fait. Alors là, on tombe sur un personnage assez paradoxal, on va dire, puisque on l'avait choisi il y a longtemps, un an et demi. Ouais. Parce qu'effectivement, il se rendit comme l'homme le plus connecté. Avec, je crois, Shadman, tu sais que Tex s'est fait virer pour moins que ça. Il va pleuvoir, enfin ruiner donc, dans 16 minutes à quelques rues d'ici. Et cet homme, qui est donc extrêmement chien d'or sur le canapé. Connecté grâce à ses bracelets, c'est l'homme le plus connecté du monde. Et voilà. Très malheureux. Très malheureux. Est devenu tout prisonnier de, une drogue. Du dispositif qu'il avait lui-même mis en place. Parce qu'on peut les regarder en rafale. Il s'est livré. Imagine si tu oui, c'était une interview très étonnante parce qu'il était beaucoup dans la critique de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui allait pas très bien à la base, qui était assez dépressif, qui était obèse, qui avait trouvé pas de boulot, qui carburait au cacheton. Donc il s'est dit, il y a une dizaine d'années, donc il avait 40 ans, il s'est dit, il faut que je change les choses. Donc il a commencé à se monitorer le plus possible pour être sain. Alors il a perdu du poids, il a retrouvé du boulot, etc. Il est devenu même célèbre. Wow. Enfin, le cyborg sain. Oui, il a fait beaucoup de coups de magazine. Ouais, enfin, mais il s'est retrouvé surtout tout seul. Donc, avec un corps parfait, des heures de sommeil hyper millimétrées. Et du coup, c'est vrai que c'était assez étonnant dans l'interview parce qu'il a passé son temps presque à démonter son propre processus. Et tout ce qu'elle a pu voir avant la journée. A dégagé quelque chose de assez triste. Et donc, tu crois qu'il va mal finir ? Non, je crois pas. J'espère pas pour lui. Mais non, maintenant, ce qu'il essaye de faire, c'est de prôner, on va dire, un peu. Ce cauchemar de science-fiction est une réalité. Le mieux vivre, mais ensemble, grâce aux nouvelles technologies. Donc, il a des ateliers de méditation, avec le portable, technologie. Cet Américain de 49 ans, à Paris, est l'homme le plus connecté à la Gaîté Lyrique. Mais là, un personnage très étonnant. Ce qui est intéressant, chaque jour, par il utilise ce, environ 700 capteurs d'activité avec applications et services dédiés qui contrôlent sa santé en surveillant ses organes vitaux. Je regrette. Voilà, c'est un reportage quand effectivement. De son chien et sa mini caméra prend une photo de tout ce qu'il voit toutes les deux secondes. Et tout ça de chine. Il s'est livré, ouais, c'était très émouvant quand même. Enfin, vous l'entendez, enfin, je parle par-dessus, mais si vous envoyez 7 mois avant de mourir, on sent qu'il est un peu au bout du rouleau. C'est très intéressant de l'entendre. Après, tout ce que j'avais fait dans ma vie attentivement, mais si vous regardez bien, il n'y a pas tant de. Mon prince à l'école, il est fébrile. Quand j'ai été malade, quand j'ai été guéri, c'est la preuve que c'est qui étaient mes amis. Oui, ça l'a rendu seul en tout cas. Je me suis servi de cette idée de boîte que ma mère m'avait envoyée en 2003. J'allais perdre mon boulot. J'étais très gros, très en colère. On voit son poignet, il a trois montres, une petite caméra sous le menton, sur son pull. Je ne voyais plus de raison de vivre. Il monitore tout, il voit même sa maison, ce que fait son chien, enfin, c'est incroyable. Mais je connais comme ma mère me l'avait montré, comme ça. Il y avait de bonnes choses. C'est vrai que ce sont des vrais petits capacités, des gens qui s'intéressent à ce qui se passe. En 79, alors qu'il n'a que 11 ans, Chris Dancy est l'un des rares ados au monde à posséder un ordinateur personnel. Comme sa mère, il y on avait acheté ces images, on ne sait pas trop les mettre, on les aime bien. Quand il se lance dans l'extrême monitoring en 2007, c'est le début du Quantified Self, ce mouvement de mesure de soi lancé en Quantified Self, voilà. Dancy y plonge la tête la première. Évidemment, il perd 45 kilos, arrête l'alcool, les drogues et ses deux paquets de cigarettes quotidiens. Médiatisé, il multiplie les conférences. Chris Dancy 2.0 est riche et célèbre. Et là, c'est un court-métrage qu'on a récupéré, qui est un des premiers. Dans ce court-métrage sorti en 2016, le Quantified Self devient une religion. De Quantified Self. Et qui est assez effrayant d'ailleurs. Une espèce de famille dont le père essaye de
de mater les mouflets à coups de performance, de bien-être, sa femme aussi. Enfin, c'est... Ça fait penser un peu au scénario de Black Mirror, enfin, ouais. Où ils s'imaginent à chaque fois qu'est-ce qui pourrait se passer sur la base d'une... Elle te ressemble un peu, France, hein, l'actrice. Après 4 ans à me contrôler, bien que j'étais au top de ma forme et de ma réussite, je me suis retrouvé isolé et très en forme. Hein. Ça fait seulement 2 ans que j'adapte mon système. Rebondir sur chaque. Pour avoir de la compassion. Non, c'est ça. Mais je me dis, tiens, j'ai peut-être plus besoin de chocolat que d'un jogging. De me prendre une cuite. Évidemment, Chapman a décidé de se mettre bien avant nous. Je viens de me séparer d'un type avec qui j'étais depuis un mois, et c'était super. C'était un mec génial que j'adorais. Mais un jour, il était en pétard contre moi. C'est marrant parce que bon, je savais que tu étais en colère secrètement. Entre nous, hein. Ouais, on peut tous dire. Mais ça fait penser à l'interview de Rick Hornby. Quand il avait une machine parfaite. Je sais jamais dire, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il a étonnamment bien dit. D'habitude, moi, je sais pas comment il faut dire. Ray, donc un des grands penseurs du transhumanisme, qui est aussi raconté comment il a eu la prêche l'épanouissement personnel par la nouvelle technologie de son père. Comme la méditation au contact des vibrations de son smartphone. Qui est bouleversé. Et qui change chez soi, le surnom destin à cause du digital. Alors, c'est la petite boîte que lui a donné sa maman. Enfin. Sa maman, juste avant de mourir. C'est voilà. Hein, ah, t'as vu, je fais des. Ça n'a pas l'air comme ça. Bon, là, il y a des gens qui assistent à une séance de yoga digital, enfin, smartphonique. Et ça makes you very anxious. Ray, ce petit sac de poudre magique, tout à fait. Ouais, c'est vrai. 200 pilules par jour, si ma mémoire est bonne, je crois. Votre les compléments alimentaires, déjà pour Rome. Pour son organisme. Et pour mémoire, Trax avait été une des premières. Ah, je crois qu'on a été les premiers à l'interview. En Europe, à l'interview. Je me suis rendu compte que c'était en 2011. C'est grâce à nous que c'est devenu un mouvement. Je ne me suis pas vraiment rendu service en programmant toute ma vie. Parce qu'il n'y a plus de place pour. Personne n'en avait jamais entendu parler en Europe. Parfois, je me demande si je pourrais revenir 8 années en arrière, quand j'étais gros. Mais c'est vrai que le transhumanisme, ma vie n'était vraiment pas simple. Ah bon, envoyé spécial, une copie, ils nous feraient des vacances. J'adorerais ça. Tout de suite, on retrouve nos chercheurs allergiques au bien-être. On revient à nos deux invités. Donc là, on est dans la troisième partie de l'émission. Et là, c'est les papyrus qui vont prendre le pouvoir. Faut faire attention. C'est cadré épouvantablement. On est viré pour faire un cadre. On en avait le droit. Alors, cette théorie est intéressante, hein, la théorie des bullshit jobs. Hein. Ben, voilà. Oui, cette théorie, alors, vient d'un autre chercheur qui est en Angleterre aussi, David Graeber, et en fait, c'est l'idée que je crois que c'est 40% en Grande-Bretagne, il a fait son étude en Grande-Bretagne, sont des boulots qui servent à rien, mais vraiment à rien, c'est-à-dire que c'est pas productif, ça sert à rien. C'est pas tant que ça sert à rien, c'est que les gens n'ont, parce que ça se peut, ça sert, mais en fait, c'est aussi que les gens n'ont pas l'impression. Oui, ils savent pas où ils sont dans le. Et quand ils sont dans un endroit, à un moment donné, oui, au pub ou je ne sais quoi, pour discuter un peu, alors qu'est-ce que tu as fait de ta journée, c'est impossible. De communiquer là-dessus. Donc, du coup, ils sont face à un sentiment. Il y a des arrois et donc, c'est pas un sujet de discussion. En tout cas, ils peuvent pas communiquer là-dessus. Et puis, ils n'ont pas de rétribution non plus, parce qu'ils sont souvent des petits maillons de la chaîne. Et du coup, il n'y a pas d'impact. Et personne ne va leur dire, bah, t'as bien bossé aujourd'hui. Encore un petit maillon. Donc, l'idée, c'était là, partant de cette théorie des bullshit jobs, de se dire que finalement, comme il y a ce sentiment un peu de vacuité dans le travail, finalement, en allant dans la salle de sport et en bourrinant sur des machines avec des performances, etc. On voit du résultat. On a l'impression au moins que ça sert à quelque chose. Ça, c'est du travail comme... C'est au-delà de... Oui, c'est du travail, surtout c'est chiffrable. Ouais. On peut en discuter. Ce sont des expériences. En tout cas, ça paye vraiment. Voilà. Non, pas du tout, j'ai pas fait un stage, mais j'ai discuté avec des... J'avais des amis et qui me racontaient leur score de... De leur performance en jogging, et il y avait quelque chose qui Il est doublé par une autre paire de fesses. Je crois pas, je crois que Jennifer Lopez. Non, elle est doublée. Voyons Norbert. Il me semblait que j'avais dit un truc intéressant, mais c'est pas grave. Ah, t'étais là, David. Non, tu repasserais. Je dirais dans la suite. Maximized financially, socially, and all the rest. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions. Hormis sur nos tenues vestimentaires, sinon on est assez ouvert. On peut parler de tout.
Ah ben, Norbert a peut-être raison, on vérifiera tout ça. On aime beaucoup les films de gladiateurs. Hein. Ouais, bah oui, comme Norbert. Comme dans... Y a-t-il la période de this kind of pursuit of wellness is this kind of pursuit of life. And the most troubling thing in some ways is that we live in a society which is kind of disowned or alors, doesn't want toi to qui as interviewé les think about deux, or believe in death. Lequel est, so we've kind of apparu le, disconnected ourselves from death. And as a result of this, if we then think about sort of one of the big things in any national budget is que les deux pendant leur truc, on avait arrêté de fumer, arrêté de manger de la viande, qui voilà, André qu'on voit, il avait arrêté de fumer, l'autre avait été devenu végétarien depuis 6 ans, et au bout de leur 1 an d'expérimentation, ils sont tous les deux remis à fumer des clopes, à boire de l'alcool et à manger de la viande. Ils ont tous dit que c'était les meilleurs moments de leur vie, sans en faire l'apologie, mais je pense que... Ça c'est le principe de la chaussure trop petite, tu mets des chaussures trop petites le matin, ça passe du bien quand tu les enlèves. Alors là on passe à un sujet qui est totalement logique, puisqu'on parle de bien-être, et donc on arrive à... La mort, même pas dont d'ailleurs, enfin, en 1977, les Rennais de Marquis de Sade inventent le post-punk français, alors que le punk est à peine né. Avec le chanteur Philippe Pascal et la guitare de Franck Darcel, le groupe ne dure que 5 ans, laissant derrière lui des fans éplorés. Leur seule consolation, redécouvrir les idoles de Philippe Pascal, comme l'acteur Conrad Veidt, icône de l'expressionnisme allemand. Aujourd'hui, pour fêter les 40 ans du groupe le plus culte de l'Ouest, le plasticien Poche lui dédie une exposition dans son fief, demandant à 24 artistes d'illustrer les titres des chansons de Marquis de Sade. Ils font toujours rêver. Retour à la cruauté, maladie de peau, cancer et drogue. Chaque peinture illustre un titre. Et meurt, die, comme on dit chez les Anglais. C'est appelé Guy parce que et pour soutenir cette exposition, ils ont décidé de se reformer et de jouer. J'avais deux dates. Il faut que je fasse tout mois, entre l'âge de 24 ans, 28 ans. 24 ans, c'est parce que c'est à cet âge-là que Lou Reed a enregistré le premier et album. Et pour info d'ailleurs, il y a et 28 ans parce que un podcast qui a été réalisé. C'est Valérie Payet qui a fait l'interview. Et il y a un podcast que vous pouvez écouter sur YouTube. Marquis de Sade avait tout pour lui, un timing parfait et des chansons en béton. Mais comme souvent, la route vers la gloire est pavée d'embûches. On nous entend moins bien, on nous entend plus du tout. On s'est rendu compte que dans la loge des Simple Minds et Joe Jackson, c'était... On entend mal. C'était bizarre, quoi. Des ananas, alors, des peut-être que je vais monter le niveau nous, du micro, ça va être pâté. On remarquerait qu'il y en a un qui suit. Là, voilà. 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 Là, normalement, on entend mieux. Mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus doucement parce qu'on est en train de s'endormir. Il est tard pour des petits vieux comme nous. Puis ce sujet, ça va pas dire. Il parle de long sujet, pardon. Cette émission est longue. Ah, ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup à Trace. C'est les... On adore parler de l'enfance. Dans le village de Dol, on n'en fait pas des, dirige l'école primaire. Des déductions. Il passe son adolescence à écouter du blues avant de découvrir en 1975 de voir les gens quand ils étaient adolescents ou bébés. C'est même une obligation, on ne part pas. J'adore. En tant que journaliste, on ne part pas en tournage sans avoir la question que vous êtes ton papa et que vous êtes ta maman. Petit Franck, en fait, ça ramène l'enfance, ça ramène mais après des vacances répétées chez son oncle et qui est à New York, il finit par fréquenter la mythique scène du Max Kansas City où il succombe au dieu guitare. Dès lors, il n'a qu'une idée en tête, former son propre groupe de rock. Darcel. Tu es en train de me mettre dedans. C'est Darcel. Tu es en train de raconter que. C'est Marc Darcel. Arrête. Tu es en train de raconter qu'il allait souvent à New York. Et pour la petite histoire, ça, on l'a pas mis dans le sujet. Jeunostite Philippe s'embarque dans l'aventure. Son oncle était perruquier. Sky et de Chatterton, béni par ce divin marquis à qui on doit la littérature la plus shocking du XVIIIe siècle. J'avais trouvé Justine, le malheur de la vertu, dans les bibliothèques des parents. Mais c'est toujours heureusement que vous êtes là. Non, parce que la vidéo, c'est peut-être. C'est pas forcément que c'est pareil. Je pense que c'est passé à côté. Bon, c'est une première pour nous, donc on est probablement. Techniquement, on est au top, mais bon. Bah non, mais on essuie les plâtres. C'est quand même une technologie assez nouvelle, donc c'est. Ce qui n'est pas très nouveau, c'est la technologie sur laquelle on assiste. Vous indiquez, on est sur une espèce de banque. Très bien. Je me sens un peu menacé par deux monstres autour de moi, mais tout va bien.
Les gens ne savent pas. Oui, ils ne savent pas. Bon, pour moi, ils ne savent pas. En 56, bon, Marquita, c'est toujours... Alors ça, oui. Parce que, en fait, La Brune et moi, c'est un remake d'un film américain. Ouais. Et que Marquita, c'est compliqué, ça va trop vite, et c'est dit donc. Je ne sais pas si j'ai entendu. On voit l'extrait de La Brune et moi. C'est le réalisateur, je crois, qui nous a passé la VHS que vous voyez, enfin l'image que vous voyez là, c'est la personne a ramené le matériel, donc vraiment, c'est pas toujours le cas, mais quand on est obligé à chaque fois de négocier, bien évidemment, les droits, et parfois il y a des gens vraiment adorables là, qui nous ont effectivement gentiment accordé de diffuser ces images, et en plus qui ont amené le matériel, c'est quand même toujours assez... Non, là on est dans la rédaction, et on voit derrière nous ce qu'on appelle le chemin de fer, qui est le contenu des prochaines émissions. Dès que quelque chose et on est d'ailleurs à l'ordinateur du... Elle a répondu, mais bon, non, c'est pas la cassette. En seulement deux albums, Marquis de Sade met reine sur la carte du rock français. À la manière de leurs contemporains Joy Division à Manchester, leurs concerts stimulent la scène locale. Dès la sortie de leur premier 45 tours en 78, bon, là en même temps, c'était sympa d'avoir un sujet sur Marquis de Sade dans un truc sur le bien-être, hein, David, parce que l'idée était qu'on allait trouver des gens qui étaient totalement à l'opposé de tout ce dont on avait parlé juste avant et qui avaient l'air d'aller pas si mal que ça, puisque maintenant tout le monde se les arrache. Je crois qu'ils vont faire Brest, hein, je crois. Ils vont faire Art Rock, ils vont faire Villette Sonic. Ouais, donc en fait, ils sont partis sur les rails et puis tout le monde les adore et ça marche bien, plutôt bien pour eux. L'album, par contre, c'est un album tiré du live. Ouais. Et ils sont pas forcément joyeux lurons au départ, on va dire. Donc on peut quand même arriver à faire des trucs rigolos. C'est un peu l'idée dans les spéciales aussi, c'est d'avoir un ou deux télescopages de sujets qu'on n'attend pas forcément. Tout à fait. David aime bien, enfin c'est pas un festival, mais joue sur les associations d'idées, enfin les on n'est pas dans le cadavre esquis, mais il y a cette idée un petit peu de, en tout cas de ne pas être dans une logique. Et la fameuse voix off, puisque la question est posée, c'est une question qui est faite par une jeune fille qui s'appelle Christelle, qui travaille pour la télévision suisse romande et qui travaille avec nous depuis pratiquement le début de l'émission. Christelle André, qu'on salue d'ailleurs, et qui a une émission qui s'appelle Transmission sur Couleur 3 maintenant, et qui est diffusée maintenant sur France Inter tous les samedis soirs, donc vous pouvez entendre la même voix. Voilà, elle est aux commandes de cette émission. Groupe avec lequel il joue pendant 10 ans. On n'a pas viré Chadman, non. Il s'est endormi. Pendant ce temps, Franck Darcel sort la première démo d'Étienne Dao. Autant dire que pour nous, c'est vraiment une référence. Enfin, je pense qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas... Normalement, on prépare un spécial. C'est quelqu'un qu'on aimerait beaucoup avoir. On aimerait beaucoup avoir dans Trax. On est en train de travailler sur quelque chose avec Étienne Dao. Groupe de rock breton encore actif. Mais ce soir, aux Libertés, à Rennes, Marquis de Sade rompt... Je crois que la production est réticente. C'est ça le souci. Il faut la convaincre. Mais on y arrive parfois. Moi, je suis né au début des années 80. Petit micro-trotte, on aime beaucoup les micro-trottes. Enfin, quand ils ont commencé, donc je me rattrape. Surtout que là, il y en avait des sympas. Ah oui, ils sont bien là. Comme dans les contes de fées. Bon, ils ont changé au dernier moment de salle. Hein. Marquis de Sade devait jouer dans une plus petite salle, semble-t-il. Et la réservation étant telle qu'ils ont dû changer de salle. C'est combien de temps qu'ils n'étaient pas montés sur scène? Pourquoi 36 ans, 36 ans. Mais je crois pas que ça soit vraiment le cas parce que vous avez rejoué un petit peu avant. Bien avant ta naissance. Bien les gars, mais après vous avez des projets? Il a appris ça, il était en fait, il dirigeait les avions à Roissy. C'est facile ça, Jean-Marc. Quoi, c'est vrai? Non. Match après match, j'aime bien cette formule. On a une demande de stage. Oui, c'est très intéressant. Je sais pas trop ce que veut dire la marketing. Je sais pas si c'est super marketing. Ben, Big Bang, on verra. Enfin, là, on n'est malheureusement pas là pour pouvoir te répondre. Mais on va ce genre répondre en privé. Donc, on revient à la dernière. C'est bientôt la fin. Ah, mais oui, dis donc, c'est la conclusion. Donc, voilà, il va falloir dire tout ce qu'on a dit.
Là, c'est une fin un peu philosophique, hein. On cite Beckett, Samuel Beckett, quand même, que je vous incite tous à lire. On dirait un vieux couple, vous parlez de qui? De qui Jean-Marc et David, c'est normal. On est trois, là. Hein. C'est un vieux couple. Un vieux couple à trois. Un vieux trio. C'est un peu vrai. C'est vrai qu'on a un mais c'est pas grave d'être vieux, non? Bien évidemment, l'apéro, c'est le moment c'est sacré, le plus important. Ça fait supplément de DVD, c'est tout à fait. C'était exactement l'idée. Sauf que c'est gratuit. T'es pas obligé d'acheter le DVD. Voilà. Peut-être qu'on peut juste inciter les gens qui n'ont pas regardé cette émission spéciale. À la regarder en vrai. Entendu. Ah bah voilà, c'est génial. Il y a mon nom, regardez. Il y a le nom de tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de stagiaires. Mais bon. Pour le reste, bah, merci en tout cas merci à tous de nous avoir supportés, on va dire. Et bah, on espère. je ne sais pas si on peut dire sur quoi faire ça, on ne sait jamais. Bah, oui, on est à l'abri de rien. Et, ah bah, nous, on est prêts. Nous, on a passé un bon moment. Hein. Voilà. Et on va recharger les batteries. Bah, là, on repart au voilà. début. Là. Ah non, c'est pas possible. Ah, non, non, sans fin. Merci Cortès, merci. Albert Kader, Tom Rosley, enfin bon, ouais, je ne peux pas dire tous les noms, vous êtes merci tellement nombreux, c'est hallucinant. Et, merci à tous. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas des questions, non, ou un truc? Oui, si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas. C'est le moment. Le portable de France, je ne sais pas, ces choses. Moi, c'est ce que je ferais dans ces cas-là. Bah, oui. Albert Kader, c'est Pierre Sofiane. Ah bah merci Pierre Sofiane de poser des questions, idiot. Ce soir, allez. Carl Siderstrom et le néo-zélandais André Spicer. Nous livrent leur diagnostic. Pas de questions dans ce trax spécial. se faire un corps de eh bien, rêve. On va vous dire au revoir, sauf si. Oui, ce qui serait bien, c'est qu'on apprenne à pouvoir mettre un terme à cette cérémonie. Il faut rester un petit peu, c'est ça hein. D'accord, on va rester. Parce que là, c'est reparti. Hein. Oui, ah oui, c'est reparti, c'est en boucle. Ah d'accord. Bon, alors. On va recommencer. Est-ce que on peut avoir un rafraîchissement. Une collation est plus connectée que la Corée du Sud. Où est la stagiaire là? Enfin, ils ont tourné le dos au le groupe Martin Sade. Quelqu'un pourrait-il aller me chercher un rafraîchissement? Oh merci. Merci. Quand on vous en ferait tous les combien de temps à peu près? Bah, je pense à peu près tous les deux jours, quoi. C'est alors, le rythme. Non, je suis, on va voir, je suis pas sûr que. Où vos sujets complètement faux? Bah, dans le monde. Non, en fait, on les trouve parce qu'on a à la fois une rédaction en interne qui travaille pour ça et puis des journalistes pigistes qui vont aussi chercher des sujets. Donc, et puis, je crois que, enfin, on le dit souvent avec Jean-Marc et France, quand on est curieux, on trouve facilement plein de choses. Il suffit d'être. Et c'est la première fois qu'on fait un live hein, pour savoir. Donc, les autres sont évidemment bien plus organisés. Et seront plus réussis. Avec des tenues de scène. Parce que là, c'est voilà, le prochain sera en bikini. Il voilà. y a un début de. Non, c'est pas con, une session des premiers tracks, c'est amusant. C'est Jean-Marc qui l'a tourné. Tout à fait, tout à fait. Quelle année c'était? 98. Avant-hier. Il y a 20 ans. C'est vrai qu'on a eu la chance de quand même d'explorer des univers assez dingues. On en met 10 minutes dans les sujets, mais qu'on a plein de trucs à raconter. Bah, moi, je suis pas très pétard, personnellement. On est c'est pas trop jour à la maison. Hein. J'ai jamais essayé. Les cours donnés par Mister Gandalf sont proposés pour le 14 juillet. Mais enfin bon. 16 000 salles de fitness. Non, contrairement aux apparences, ce c'est une émission pas calée sans rôle, mais en tout cas, on n'est pas du tout... Mais c'est surtout, vous croyez qu'on s'amuse, alors qu'en fait, c'est vachement boulot, quoi. Ah non, bon, non, on s'amuse, mais je veux dire, c'est, on essaie de faire ça. Enfin, toi, tu travailles, mais nous, on s'amuse. C'est ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir bossé depuis 18 ans, mais... Nous, on est payés pour rigoler. Justement, on va dans des univers un peu barrés, on essaie d'y aller un peu la tête fraîche, quoi. Ah. Ah, oui, bah oui, c'est pas bête. C'est vrai. Alors, je vais couper le son parce que c'est moi qui suis la technologie. Oui, oui. Je pense que je peux y arriver. On va baisser. C'est dommage, parce que cette émission est bien, même en boucle. Hein. Mais voilà, je vais baisser un peu. C'est vrai que c'est plus logique pour parler. Ce petit lapin, on a eu un gros problème. C'est pas notre lapin initial. Alors, donc la question étant l'évolution de l'underground. On est souvent questionné là-dessus. Sur l'underground, oui. Oui, bah on est bien embêté à chaque fois, oui, parce que.
enfin bon, c'est trop compliqué d'y répondre probablement dans une petite interview comme ça, mais c'est un mot pour lequel on n'est pas, on milite pas beaucoup de ces temps-ci. Récemment, on a vu un mot qui est un peu froid, mais qui me paraît plus intéressant, même si c'est des gens du marketing qui l'ont inventé, qui s'appelle, ils appellent ça les signaux faibles. Et je trouve ça, moi, péjoratif. Enfin, c'est pas que je, il n'y a pas de d'être mal à l'aise avec le mot underground au sens péjoratif. Et tous les sous-entendus qu'il y a derrière, mais donc, du coup ça implique nécessairement plein de choses, alors que signaux faibles c'est simplement effectivement des gens qui, nous on s'intéresse aux gens qui font des choses, hein. Savoir si elles sont dans la marge ou pas, c'est pas notre problème, c'est des choses qui sont nouvelles et différentes. Donc après parfois ça donne des choses Big Beige, t'as pas tort, c'est effectivement un petit peu comme ça qu'on voit les choses, c'est que Trax, ça sert à rendre visibles des choses qui ne sont pas trop, des signaux faibles, et ça oblige les gens qui sont dans ces marges à inventer des nouvelles choses pour continuer à être différents, transgressifs, enfin tout ce qu'on veut. Donc en fait, ça se régénère en permanence. Alors Pierre Sofiane, c'est... Bon là, il a été viré cet après-midi, voilà. Donc... Depuis peu. C'est une question de Nicolas Morin qu'on ne connaît pas non plus. Mais, et qui demande si Pierre Sofiane est beau. On répond, hein, forcément. Voilà. D'ailleurs, si tu peux, Pierre Sofiane, venir prendre tes affaires. J'ai pas regardé Rick et Morty. Quelqu'un l'a vu? Je crois qu'on a... Non, Rick et Morty, me semble que c'est pas une série dont on avait parlé. Je crois qu'il l'a regardé. De quoi? Rick et Morty. Ah non, mais on est méga fan de web. Vous avez web. Le web est méga fan le de Rick et Morty. Le web est méga fan, vraiment juste le web. Non, parce que nous, on travaille sur les vrais trucs, mais... Il n'y a pas en plus de perméabilité entre les deux. Alors, pas du tout. Je réponds à Django Blue. Ouais, oui. Enfin, je crois si que jamais... c'est dessert, je crois. Non, je crois que c'est plutôt un... oui, réfractaire. Oui. C'est plutôt le contraire, ouais. Ouais, voilà. C'est plutôt le contraire. Il vaut mieux vendre des moquettes. Ouais. Pas de la moquette, ouais. Enfin, n'hésitez pas à vous poser des questions. À vous livrer, oui, mettez-vous à nu. Hein. Alors, je crois que Pierre Sofiane, une fois de plus. Albert Kader. N'est pas vraiment dans la réalité. Non. Bah, je crois qu'il nous envoie des messages de son ordinateur portable. Il est à Sainte-Anne, je crois, là, pour le moment. Et la dame qui prend ce liquide vert dans le générique, elle s'est fait virer. Ah, l'ancien, elle, on ne sait pas. C'est l'ancien générique, j'imagine. Ouais. Oui, c'est ça. Non. Bah, l'ancien générique a simplement changé, mais on ne l'a jamais retrouvé. On voulait la retrouver, hein, cette fille. Non, par contre, on a retrouvé le présentateur. Le présentateur, on l'a retrouvé, mais la jeune fille qui se prenait effectivement le... Enfin, qui sortait de la baignoire. Ouais. Je pense que c'est à elle que fait allusion Mesquino... Mesquimo 555, je ne crois pas qu'elle soit fait virer. Toi, je n'ai jamais croisé à la NPE où je fais que alors, sérieux, pas de groupies voilà. Si, vous avez des groupies. David et Jean-Marc ont des groupies. Donc, enfin, pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Une ouais. Groupie, quoi. Voilà. Bah, soit, c'est déjà pas mal. C'est ton chien. Et ouais, moi, j'ai chien. Malgré les coups de jus, ça reste mon meilleur ami. Hein. Moi, j'ai Moki aussi, après. Je l'aime bien. Okay. Au revoir Xavier. On dit au revoir à nos journalistes qui, puisque on est dans la rédaction, hein, donc là il y a un de nos journalistes qui s'en va, qui vient de faire l'interview de Vincent McCain. J'ai failli écorcher son nom comme d'habitude. C'est un metteur en scène et comédien et réalisateur. McCain, c'est quoi aussi? C'est des. C'est des frites. C'est écrit papa. Ouais, pour une fois, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout à fait. Donc ça, c'est une image qui a été mise juste pour le plaisir des yeux. Non, la question, c'était effectivement si on a découvert des artistes avant qu'ils deviennent célèbres. Plein. Mireille Mathieu, on va dire. Enfin, Michel Sardou, enfin, il y a eu pas mal de... Bah, toutes ces questions, il y a plein de questions. Ouais. Oh là là, tous. Mais non, on avait parfois découvert, mais c'est un peu comme quand on joue tous les numéros à la... On va dire à la roulette. De temps en temps, il y en a un qui sort. Et c'est pas notre objectif de deviner si ça va marcher ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils sont inventifs. Il s'avère que parfois des gens inventifs réussissent, parfois réussissent au sens ont du succès. Hein. Parfois c'est pas le cas, mais c'est pas notre préoccupation. Donc on n'essaye pas de savoir qu'est-ce qui va marcher demain, mais plutôt
qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est différent. Donc forcément, ça nous aurait toujours d'être étonnés, puisque c'est le principe même de l'émission, c'est d'étonner, amuser, enfin bon, avoir l'impression que les choses avancent. Bah, par exemple, le lift and carry, on connaissait pas mal de fétichisme, honnêtement. Dans Trax, on en a fait un paquet, on ne connaissait pas celui-là. Donc, c'était donc ça permet de pimenter un petit peu notre vie. Notre vie à deux. Ouais, c'est ça. T'as essayé tous les deux, Jean-Marc. Alors, John Goblou, en tout cas, il ne va pas rechercher un stage à Trax, hein, je crois. Alors, Igor Dewey. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est possible. Ah, alors effectivement, pour les 20 ans, il y avait une soirée où on avait invité des gens qui aiment bien se déguiser en chevaux. Ouais. Pony Play. Disons qu'on a des amis qui se déguisent en chevaux, voilà. Si c'est ça. Si c'est on vit un peu les trucs par procuration, nous-mêmes directement. Oh. On est assez. On n'a pas le temps. Mais... Oui, enfin, parfois, tu peux appeler quand même la police si jamais il y a un paquet suspect. C'est quand même... Je te conseille Cortez 777 qui nous dit quand je vois quelque chose de louche dans la vie, je dis systématiquement, on se croirait dans Trax. Donc, voilà. Mais oui, mais récemment, on a fait une interview, là, j'ai oublié, de l'Australien, là. Comment il s'appelle? J'appelle au secours ma rédaction. L'Australien qui montre souvent sa pistouquette. Kirin. Bon, Kalinan. Voilà. Qui disait il n'est pas question de bon ou de mauvais goût, mais de s'affranchir un peu du goût. Quoi. Et on fait en sorte, effectivement, de s'intéresser à des choses qui sont parfois un peu étranges. Mais c'est pas. Voilà, du coup, ça donne des trucs un peu louches. Kirin, merci. Eh bien, voilà. Je crois que. Sur ces presque images. Ouais. Bon, en France, tu laisses ton 06 maintenant. Ouais. Il est temps, quoi. Je remarque qu'il va être temps d'électrocuter ton chien. Bah oui. Il y en a trois qui sont partis, là, au moment où tu as parlé. Voilà. C'est possible, ouais. Mais joyeux Noël à vous aussi. Merci, Cortez. Ouais. Merci ouais. Beaucoup. Bah, chacun va retomber à ses occupations personnelles. C'est ça. Bon. Eh bien, on vous dit. Ah, on va tomber sur un sujet brûlant. Oui, alors, non, pas forcément, parce qu'on peut aimer Vald et ne pas partager ses idées, je pense. Donc, c'est pas très grave. Êtes-vous nihiliste? Ah, Jean-Marc, ça, c'est une question forte. Pas du tout. Faut des réponses courtes. Hein. Non. Satan. Je ne connais pas les produits Satan. Enfin, je sais ce que c'est, mais... C'est choquant et accrocheur. On n'est pas pour la shock value, non, forcément. Bah, il y a plein de médias qui font très bien ça. Bah voilà, on va pas les citer. Un live sur les premiers tracks, ouais, je te demande. Hein. Alors non, c'est quasiment jamais arrivé qu'on ne diffuse pas quelque chose qu'on a filmé, honnêtement. Parce que quand on décide de le filmer, c'est qu'on estime que ça a un intérêt, ça coûte de l'argent de filmer. Et il y a forcément des pressions parfois, quelque part. Enfin, ça peut être à la fois du côté de l'artiste ou du côté du diffuseur Arte, mais il n'y a aucune raison de ne pas se battre à un moment donné pour le diffuser. J'ai fait une réponse un peu sérieuse à la fin. C'est parfait. Souvent, c'est bien de bien conclure sur un truc un peu. Voilà, ça compense ton cul, voilà. C'est très bien. On se dit, tiens, c'est... finalement, ils sont sérieux. Non. Tu vois que t'as pas montré. Bah si, j'ai mis un peu de. Je crois que lui. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et en espérant ne pas. Vous avoir importuné. Ouais. On a perdu 7 personnes en 5 minutes, mais ah, il y en a une qui arrive. Désolé, on s'en va. Ah, le buzz remonte à pas. On est déjà à 150. 1000. Pardon. Oui. Comment s'éteint cette. À très bientôt. Oui. Allez, on fait tous un petit au revoir. Au revoir. Au revoir. Où est ma main? Un truc sur la droite où il dit arrêtez le streaming. Ça doit être là-dedans. Arrêtez le streaming. Ah oui, tout en haut. C'est là. Merci à tous. Salut. Et en espérant avoir été brillantissime.